Get overwhelmed and you'll make it out, then you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing. Don't let it break you down. You got me wanna die, yeah. No, I'm not a ride. Night and day. Night and day. Oh, je l'ai mis sur la carte. J'ai bégayé. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça vaut plutôt nickel. Donc aujourd'hui, on se rejoint pour un petit tuto dans ce Nautica. Comment bien débuter. Donc voilà. Donc déjà, l'étape 1 déjà, ça va être les minéraux, les minerais, voilà. Donc déjà, c'est très facile. Hein. Vous venez ici, vous sautez dans l'eau et vous allez chercher du minerai pour... The fuck, mon chat. Ah, ok, mon chat, je sais pas si vous l'avez vu, mais il faisait... Donc ça, faut que vous trouvez, soit vous prenez ça pour vous faire du du titane, voilà, ou vous essayez de trouver des roches pour les péter, pour avoir des minerais. Voilà, c'est vrai, j'ai pas 135 oxygène. J'en ai que 45. Et donc, vous essayez de trouver un peu de minerai. C'est correct, quoi. Donc, j'essaye de trouver une roche, là, vraiment, pour bien vous montrer. Mais j'en trouve pas. Donc. Oh, et des champignons aussi, ça va être utile, mais pas pour le moment. Oh non, pas. Bye. Ouais, essayez d'esquiver eux, ils explosent dans ta tronche, ils font mal. Bon, je trouve pas de foutu rush. Bon, on s'en fout. Voilà, il y a encore ce... Mais mec, je trouve juste des morceaux métalliques et pas de rush. Hein. Wesh. Là, il devrait en avoir un morceau, non? Il y en a zéro, genre. Parce que l'étape 1, ouais. Je voulais pas que ça prenne 10 000 ans. Bon, on en trouvait quand même. Bon. Il va en avoir sûrement, il y a deux. Voilà. Ta mère, la puce, frère. On s'approche peut-être. Il m'a vu, mais il m'a botché. Bon, en tout cas, on va faire 100 roches. Donc, les roches, c'est des roches. Hein. C'est gris. Hein. Des grosses roches à péter. Non, parce que j'en trouve pas, donc dommage. Donc, déjà, c'est bon. Donc, après, si vous trouvez des morceaux métalliques, vous allez ici, vous faites ça du titane, voilà. Comme ça va être utile. Hein. Et voilà. Ouais, je vais avoir beaucoup de titane. Donc voilà l'étape des minéraux. Donc trouver soit des morceaux métalliques ou des petites roches pour les défaire. Puis voilà. Puis après, vous faites les transformer ici. Donc voilà. Pour l'étape. Donc l'étape 2, c'est. De se faire directement le réservoir d'oxygène standard. Donc ça prend 3 titanes, c'est vraiment simple. Donc vous le fabriquez. Voilà, et vous allez avoir 75 d'oxygène. Donc ensuite, après avoir ça, vous allez avoir ça. Donc il vous faut un réservoir d'oxygène standard, donc vous en avez déjà un. D'eau de verre et un minerai d'argent. Étape numéro 3, ça va être la bouffe. Donc dans le fond, la bouffe, vous en avez un peu ici, mais que d'eau puis un peu d'eau. Mais c'est pas ça qui nous intéresse pour la nourriture. Ça va vraiment être les petits poissons. Donc vous attrapez les poissons.
Donc ça c'est un pipeur. Donc les poissons de base c'est vraiment le pipeur. Donc lui quoi. Et faut que j'en trouve un. Il s'appelle le pochon. Donc c'est un poisson pour vous faire de l'eau. Donc il est très utile. Bah justement pour avoir de l'eau. Faut juste que j'en trouve un. Tant que j'en ai trouvé un. Mais là, je le trouve pas. Pochon, pochon, il est si beau. Bon, ça c'est encore un pipeur. Pochon, un autre pipeur. Bon, on va remonter parce que j'ai plus beaucoup d'oxygène. En tout cas, je vais essayer de le trouver quand même, là, même si je le trouve pas. Un pochon, mec, il est supposé en avoir plein, hein. Bah, il est supposé. Aussi, il y a les boomerangs. Ouais, c'est des poissons boomerangs, clairement. Mais eux, c'est des poissons aussi qu'on peut manger. Mais c'est pas lui que je cherche. C'est un pochon. Donc, j'en trouve vraiment pas. Oups. Bien. Je l'ai libéré. Oh, voilà un pochon. Voilà, donc les pochons ressemblent à ça, hein, clairement, ils sont laids. Donc on va nous retourner à la petite capsule que je ne sais pas où, elle est là. On va prendre lui parce que j'en ai abandonné. Hein. Donc voilà, donc après je vais vous montrer. Tantôt j'ai récupéré le ciel, donc je pourrais vous montrer deux trucs. Donc les pochons, clairement, ceux que j'ai dans la main. Vous faites de l'eau avec. Parce que ils sont pas très bons à manger. Ils font que 16 de faim. Mais, eux, les pipeurs, ils donnent 39. Donc, eux, sont vraiment bons. Donc, vous pouvez faire ça. Et si vous voulez, si vous voulez pas tout de suite les manger, vous pouvez faire l'assécher. Donc, vous avez besoin de sel. Donc, le sel, c'est à côté des algues. Donc, je vais aller vous montrer. Donc, je vais vous montrer, là, c'est pareil. La salaison, là, c'est pareil que... Bah, que... Que, voilà. Que tu veux, mais c'est juste quand que tu veux ne pas le manger tout de suite. Donc, je vais vous montrer. Donc, les pochons deviennent de l'eau. Les pipeurs deviennent des pipeurs cuits. Donc je le mange encore. Et les boomerangs asséchés, vous pouvez les garder. Et d'ailleurs, c'est ça que je vais faire parce que j'ai pas faim. Donc je vais vous montrer où sont les bouts de sel. Donc les bouts de sel, c'est vraiment facile. Vous voyez un algue là-bas. Bah, sont à côté des algues. Donc voilà, pas direct à côté, genre à côté du biome, genre. Proche, genre pas, genre, mettons ici, des fois il y en a, genre ici tu peux en voir. Je peux trop m'aventurer parce qu'on voit rien d'ailleurs. Puis faites attention à ceux-là, ils sont dangereux. Ça, c'est des trucs d'air, hein. Juste en prendre un peu, je vais juste vous le dire au passage. En tout cas, j'en trouve pas, mais des bouts de sel sont à côté. Voilà, je crois que ça, c'en est un. C'est un bout de sel. Donc, je vous l'ai dit, ils sont assez proches des algues. Et quand vous allez proche des algues, faites attention aux rôdeurs, donc c'est des gros requins qu'on a vus il n'y a pas longtemps. On les a vus tantôt, il n'y a pas longtemps. En tout cas, ils sont gros puis ils sont bons, ok. Donc c'est facile à savoir que c'est des rôdeurs. Donc, quand vous en voyez un, s'il ne vous suit pas, évitez-le. S'il vous suit, sérieux, en allez-vous-en. À votre petite base.
Parce que c'est chiant. À un moment donné, il était dos à me suivre, hein, jusqu'à ma base. C'était con. Voilà. Donc, là... non, c'est pas ici. Donc... je vous ai montré où qu'on peut trouver du ciel. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et quand vous les assélez, il y a un truc. Les poissons qui donnent de l'eau, ils n'en donnent plus, comme check. Lui, je l'ai asséché. Moins d'eau d'eau. Donc, c'est normal, on lui a mis du sel dessus. Hein, donc, ouais. En tout cas, mon chat, il me regarde d'un air un peu meurtrier, mais bon. Donc, voilà pour l'étape. Attends, 2. Attends, 1, c'était les minerais. Ouais, l'étape 3. Donc, voilà. Donc, voilà, donc c'est pour la nourriture. Donc, l'étape 4, c'est les kits de soins. Donc, c'est vous. Au début, on a un fabricateur de kits de médicaux. Donc, vous en prenez. Et voilà, vous l'avez tranquille. Donc, je vais l'utiliser. Parce que je me suis fait frapper tantôt. Donc, voilà pour l'étape 4. Hein, les medkits, c'est. Bah voilà, c'est pas totalement terminé parce qu'il y a un dernier truc qu'il faut que je vous montre ici. Ici, vous pouvez vous fabriquer un kit. Kit de câblage fil isolé. Non, je sais pas ça. C'est où le bord? En tout cas, normalement, on peut se fabriquer un kit de soins. Voilà, ici. Kit de soins. Donc, il vous faut un maille de fibre. Donc voilà, donc pour fabriquer un petit maillot de fibre, c'est. Et peut-être que je ne l'ai pas débloqué. Hein. J'avais. Hein. Bon, je crois pas que je l'ai débloqué en fait. Mais ouais. Pas grave. Donc voilà pour l'étape 4, les métiers. Pour l'étape 5, ça va être. Le couteau, parce que le couteau c'est essentiel clairement pour couper des trucs ou vous défendre, quoi que ce soit. Donc voilà, donc ici vous allez aller dans outils et ici il y a le couteau de survie. Il faut du caoutchouc en silicone. Donc pour ça il vous faudra vous fabriquer ça, voilà. Et il vous faut des graines de vigène d'orin. Donc ça, c'est facile, c'est là-bas. Donc c'est où les algues, encore. Donc vous allez voir, la nuit, ça s'allume comme. Donc voilà, donc faites attention, oubliez pas, il y a des rôdeurs. Mais c'est pas si pire que ça, vous pouvez quand même vous enfuir de eux. Donc voilà. Bon, là, je sais même pas il est où d'ailleurs, le rôdeur, mais bon. D'ailleurs, ici, il peut beaucoup avoir, proche de cette zone, il peut y avoir beaucoup de morceaux de métal parce que les rôdeurs adorent jouer avec. Et en même temps, ils peuvent avoir des dents qui sont tombées. Et bon. J'en ai un, puis il me suit pas d'ailleurs. J'ai eu peur qu'il me voyait là parce qu'il peut vous check, vous voir. Donc vous avez vu c'est où, c'est là. Donc la nuit ça se voit très bien. Mais si vous y allez la nuit, prenez une lampe de poche. Ouais. Donc là c'est le couteau et la sixième étape. Ça va être la lampe de poche. Parce que la lampe de poche c'est aussi très on en a besoin quoi. D'ailleurs, dans la première étape, c'était les minéraux. Il y a aussi du quartz que vous pouvez prendre. Parce que du quartz, ça va être très utile. Donc, après, vous avez ça. Vous allez ici. Vous allez faire du caoutchouc en silicone. Voilà, fabriquer comme vous voulez. Après, vous pouvez vous faire le couteau.
couteau de survie. Et voilà le couteau de survie. Et voilà. Donc, pour la... C'est cinquième étape, là. Bon, la sixième, on va dire, vous pouvez en faire une de trop. La sixième étape, bah, peut-être que c'est la 7. 6 ou 7, on s'en fout. Bah, ça va être la lampe de poche. Voilà, donc c'est très facile à fabriquer encore. C'est dans l'outil. Il vous faut une pile et du verre. Pour le verre, il vous faut du quartz. Et pour la pile, il vous faut des champignons. Attends, c'est pas ici. Des champignons et un minerai de cuivre, donc champignons acides quoi. Voilà. Le champignon acide, voilà, c'est ici, c'est, on en trouve beaucoup. Donc il y en avait là. Il y en a vraiment un peu partout. Là, par contre, qu'est-ce qu'il faudra trouver sans se faire un peu buter, c'est le minerai de cuivre. Donc, par contre, j'aime pas trop ma place où je spawn. Bon, je sais que c'est tout le temps à la même place, mais tantôt, j'étais à côté vraiment d'une grotte. Donc, c'était vraiment une bonne place. En tout cas, vous pourrez péter ça. Chez. Donc, ça faut trouver un peu le minerai de cuivre. Donc, ouais. C'est un peu chiant à trouver des fois, mais bon. Bon, ici, je vais vraiment en trouver. Si j'en trouve pas, c'est quand? Il y en a pas. Je sais pas, mais j'ai vraiment pas de chance. Hein. J'en trouve zéro pourtant. Pourtant, ici, il est supposé en avoir. Peut-être si, mais. C'est quoi ça? T'es sûr? Donc, au moins, il a dégagé. On va prendre ça d'ailleurs. Bon. Voilà, le. S'il te plaît, du. Voilà. C'est du minerai de cuivre. Vite. Montre. C'est bon. On est ok. Donc on retourne là-bas. Donc après avoir trouvé votre minerai de cuivre et tout, vous pouvez voir votre lampe de poche. Et donc voilà. Bon, faites attention parce qu'il y a une place que c'est vraiment très facile. Donc c'est un gros corail comme ça, mais encore plus gros. Il y a vraiment beaucoup de minerais. Bah, d'ailleurs, je crois que les spawns sont un peu pareils. Mais bon. Peut-être qu'ils sont braves. Donc ensuite, vous pouvez avoir votre petit lampe de poche. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai oublié d'aller pogner du quartz. Est-ce que j'en aurais par hasard dans mon coffre? Non. Ah. On s'en fout. Il y a bien du quartz quelque part. Hein. J'en ai aucune idée s'il y en a. Il y en a là. Mais il y a la grosse bibite que j'ai sur moi. Même pas. C'est bon. Donc il y en avait aussi là. En tout cas. Donc. Voilà, donc après vous avez le quartz, vous pouvez fabriquer du verre.
que le voir est ici. Là, je peux fabriquer un peu de voir. Et ensuite, vous pouvez avoir votre lampe de poche, de torche. Ça dépend. Nous, ici au Québec, c'est une lampe de poche. Ici aussi, il y a le scanner qui est important. Et l'outil de réparation, super. Donc, voilà, terminé pour l'étape 7. Donc, voilà. Donc, pour l'étape 8. Ouais, 8. J'oublie tout le temps, pour ça je venais de le dire. Pour l'étape 8, ça va être l'outil de réparation. Voilà. Donc, du caoutchouc en silicone. Comme je vous ai montré, c'est le truc jaune pour le fabriquer. Du soufre de cadre, si vous avez écouté toutes les trucs, vous avez vu que je me faisais attaquer par des petits poissons. Quand ils sont morts, quand ils sont explosés, c'est eux-là. Et du titane, très facile. Donc, l'outil de réparation. Donc, voilà. Ensuite, après avoir fait ça, bah, avec l'outil de réparation, vous pourrez réparer ça. Donc, il va avoir la lumière et tout, quoi. Ça va être plus cool. Voilà. Et la radio. Pour avoir des petits messages. Voilà, on a un message. Bon, ça, normalement, c'est... ici, là. Ouais, donc, elle nous dit, donc, dans 9 heures, le vaisseau... Le vaisseau-là va exploser. Ouais. Et il y aura aussi une mission de sauvetage dans 9 heures. Donc, c'est les deux, hein. Ouais. Donc voilà pour l'outil de réparation et aussi un dernier truc. Pour ça, pour l'outil de réparation, vous pouvez aussi réparer d'autres trucs dehors, mais il y en a moins hein, et tout en tout. En tout cas, c'est tout pour cette étape 8. L'étape 9. Ça va être le stockage et l'outil aussi de scanner, donc le scanner ici, et le stockage ici. Donc il vous faut du titane, donc c'est un armoire imperméable, donc c'est pour dans l'eau, donc fabriquez ça comme vous voulez, j'en ai pas de besoin parce que je vous fais juste un tuto, donc vous pouvez le mettre ici, voilà. Après, vous pouvez le renommer, genre en mettant, mettons que j'aurai ici. Après, vous pouvez le renommer. J'arrive pas à le renommer, wesh. Voilà. Donc après, mettons que vous le renommez, minerai. Bah, minéraux. Voilà. Donc là, vous pourrez mettre vos minéraux là-dedans. Donc, comme ça. Donc il est pas gros mais ça suffit, c'est pas dur, ça vous prend 4 de titane, donc vous pouvez en faire plusieurs. Moi dans une de mes games je crois que j'en ai 5, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est très simple. Et pour l'outil de scanner, c'est très facile aussi, vous allez dans outils, il vous faut une pile et du titane. Donc la pile, déjà du titane, voilà, ça va être déjà bien. Et une pile, il me faut des champignons, des champignons acides et des minerais de cuivre. Donc je vais aller les chercher avec vous. Donc des champignons acides, voilà. Et du minerai de cuivre.
Donc voilà à quoi ça sert quand même, la lampe de poche. C'est très utile, hein. C'est très gros quand même pour eux. J'ai plus d'oxygène. Oh merde, le rouge. Ah, puis lui. Eux sont vraiment inoffensifs. C'est juste que quand vous êtes trop proche, ils vous lancent des grosses boules. Genre comme ça. Puis éloignez-vous-en quand il fait ça parce que c'est quand même c'est dangereux. Bon, je trouve pas le minerai de cuivre comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Ici, il va y avoir un monstre. Juste peur de crever, en fait. C'est ça ma seule peur. Mais mec, il n'y a pas de minerai? Il y en a, mais un gars a explosé. Ah, m'a fouillé. Ouais, je n'en trouve pas, en fait. En tout cas, attends, je vais essayer de trouver. Un œuf alien, voilà, ça c'est quand même utile. Prenez-le, hein, parce qu'à un moment donné, vous en aurez besoin. Place minerai que vies. Parce que vous pouvez avoir du titane. Bon, ok, c'est bon. Donc ensuite, après avoir eu le minerai de cuivre, vous pouvez fabriquer le petit scanner. Donc voilà. Donc ensuite, après avoir le scanner, je vais vous expliquer à quoi il sert. Donc le scanner, il sert à scanner, bien sûr, pour découvrir comme un peu les affaires. Et avec le scanner, explorer un peu, scanner les poissons, scanner les trucs. Vraiment, vous explorez un peu tout. Puis voilà, donc ça va être assez utile. Donc voilà. Donc je vais le fabriquer. Ah, je sais plus où aller pour fabriquer mes affaires. Voilà la pile. Et bien sûr, ça marche avec la pile. Mais inquiétez-vous pas, ça descend vraiment pas vite. Donc voilà, je vais vous montrer un peu. Moi, j'ai soif par contre. Attends, par contre, il y a un truc que je veux utiliser depuis longtemps. Ça, c'est pour effrayer les... Mettons des rôdeurs ou des trucs. C'est quand même utile. Ou si vous voulez, ça peut vous faire des lumières. Donc voilà le scanner, vous pouvez scanner. Et quand ça vous fait une petite icône en bas, là, je sais pas si vous voyez, c'est en bas à droite, ça veut dire que je l'ai pas scanné. Donc vous pouvez scanner, voilà. Après, ça vous dit c'est quoi là. Donc voilà, champignon acide. Voilà, donc c'est pour scanner et explorer un peu tous les endroits pour savoir. Donc vous pouvez vous auto-scan aussi, voilà. Donc voilà. Donc, c'est terminé pour l'étape 9. La dernière étape, la 10e étape, c'est les biomes. Donc il y a 3 ou 4, je sais plus, biomes différents. Donc ce biome-là, c'est le biome safe. Je sais plus comment il s'appelle, je sais même pas comment il s'appelle, mais bon... Je sais qu'il y a 3 biomes différents. Donc ici, il n'y a aucune créature dangereuse, à part les phoques qu'on a vu tantôt. Donc les phoques qui sont juste un peu trop. Bon, ils vous attaquent pas. C'est juste quand vous êtes trop proche de vous, ils vous lancent des genres de grenades empoisonnantes. Donc restez pas à côté d'eux. Et aussi... si vous allez profondément, comme moi, je me suis fait exploser la gueule souvent avec des poissons qui explosent. Donc ça, c'est juste les seuls. Mais
pour les voir, pour vraiment vous aller dans les profondeurs. Et les phoques, ils sont pas dangereux. En tout cas, c'est vraiment une zone safe. Vous pouvez pas vous faire tuer, disons. Bon, oui, si vous êtes vraiment très, très nul. Mais sinon, si vous avez des réflexes et non, et tout, non. Donc, voilà. Et, donc, ceci, c'est ce biome-là. Donc, voilà. Donc, avec les algues, c'est le biome d'algues, je ne sais pas comment ils appellent non plus. Mais vous pouvez, c'est parfait pour vous faire une base parce que c'est profond. Ici aussi, vous pouvez faire une base, mais c'est un peu moins profond, donc vous ne pouvez pas aller trop profond. Donc, ici, les mobs, il y a les rôdeurs. Donc, si je le trouve. Ah oui, avec le couteau aussi, vous pouvez couper ça. Voilà, c'est tout. Donc, le rôdeur. Où es-tu, mon ami? En tout cas, donc, ça y a les rôdeurs et je sais. Ça y a les rôdeurs, puis les poissons normaux. Donc, les rôdeurs sont un peu plus durs. Eux, ils vous suivent. Oh, voilà, ils m'ont fait un saut, wesh. Donc, c'est eux, les rôdeurs. Ils peuvent vous faire mal, hein, quand même. Ah putain, ils sont venus. Donc, ouais, approchez-vous pas trop des rôdeurs parce qu'ils peuvent être dangereux. Donc, voilà les fois que je vous parlais tantôt. Mais vous allez arrêter de me suivre. Parce que les rôdeurs ils peuvent vous tuer facilement. Donc, voilà les fois qui. C'est des fois vraiment assez. Voilà, il crache des trucs comme. Il vous lance des trucs comme ça quand vous êtes trop proche. Eh, vous, arrêtez de me suivre, wesh! Je vais faire ma vidéo tranquille. Et pour le dernier biome, là, il y a un message de radio, je m'en fous. Pour le dernier biome, c'est. La bulle. Ça, je sais pas c'est quoi ce trou. C'est peut-être un volcan, ouais. Il est supposé avoir un volcan dans la zone safe. Ouais, c'est peut-être un volcan. Non, je crois pas. En tout cas, donc pour le dernier biome, si je le trouve, c'est ici. Donc c'est à côté des algues, dans le fond, c'est ici. Voilà. Donc c'est creux, très creux. Et vous trouvez ces ennemis-là. Ils sont faciles à esquiver, hein, quand même. Donc voilà, vous trouvez ces petits ennemis-là. Bah non, en fait, ils sont pas. En tout cas, ils ont l'air méchants, mais ils sont pas très très méchants. Donc voilà pour les trois biomes. Donc je crois que c'est pas mal le seul. Et il y a aussi une grosse pieuvre dans ce biome-là. Mais je sais pas s'ils nous attaquent. Mais bon. En tout cas, donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, donc on va checker juste s'ils font mal. C'est normal qu'ils m'attaquent pas. J'ai plus peur d'eux, hein. Mais attaquez-moi, wesh! Vous me voyez pas, je suis juste là. Et oh. Voilà, donc ils vont pas du tout mal en fait. Donc voilà, ils m'ont fait un peu de descendre ma vie. En tout cas, donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et voilà, donc les commentaires vont sûrement être désactivés. Mais c'est pas de ma faute, hein, s'ils sont désactivés. Ils se désactivent tout le temps. Donc c'est chiant, mais bon. Ils se désactivent tout seul. Donc, ciao!